kutoka kumujini mangina kuingia kumapori ilikuwa mu 1 kilometre tunaanza pata miti ya kuweza kuexploit. Leo inakuwa mbali miti inaisha. Kama unaona tunapima kusema tu pasule kambao kidogo ni kusudi tusaidie watu wa mjini kujenga manyumba zao. Lakini kwa siku za leo hakuna mbao kabisa ya exploitation au ya exportation. Huku tunabakia tu na imiti kidogo kidogo tu ya bwa lokale ya kuweza kusaidia watu kwa kujenga. Na ile ni kwa sure. Miti kuisha. Tuseme watu wenyewe walikuwa na maindustry kama dara gisi mnaona tuko pale ilikina maliza miti yote huku. Na hakuna tena kinye tunawezaweza kufanya. Wakulima vile wanaangusha mingi gisi unaona iko pale. Na mingi naozea chini. Sasa sisi tunaprofite kwa kurekipere hata saa moja ile miti yenyewe ilisha kuanguka chini. Wakati niba exploita mnakata ile ma espèce mama yenyewe kwa ya kutafuta mbao. Na watu wa mashamba saba nakiwa na detruire tu. Mimi na haya kidogo kidogo na yenyewe hayakuwa kunivoa ya kuexploite yote bana. Bana abatre yote. Watu wa mashamba na wa exploita walisha detruire donc bana ravager le ma partie ya mashamba jua kulima mashamba. Pardon, I'm so sorry. Ni pale na mona kwa pale kuna na muzeo iko hapa pale nje walisema iko babo watu yenyewe wanatusindia sasa wa leo haiko tena kweli ndio kwa hiyo ni jeje na sanje wa kilisai leo leo walisa kulaga mingi walisa kufanya hivi pale tunapasa olewana namu na kukata miti leo miti tunapasa gabulana juu ya kukata miti juu watu wao walisaka kula saa kati tunatenga leo ku ile si miaka hii sema wewe pale yako itakuwa uta hivi tuomba na njimba ya beba zukubaki hidi. Banande banatumalizia pori. Niko banaifani. Kulima. Aha, na nyinyi mmejifunza kulima? Sasa hiyo tuko nalima tu. Kakatepa. Sasa hapa hivi kwa hii kampi muko bato wangapi? Bato mingi biko tu hapa chini. Waganda sasa walifika hapa wonjo walifinishia kupasula hivi mbaya. Walifika kwa wakati gani? Tuseme mwepoke ya Mobutu.
mwepoke ya Mobutu alikuya huku ilikuwa njo kabisa kazi. Mganga alikuya huku alikuya tafuta afaidike mkongo mkongo yetu hii. Jo alikuta miti kubwa kubwa, leo kuna bakia miti kidogo kidogo. Mwiko ya manini ya kufaa kwanza nini ni Central. Mas não. Tem importância a muito na rico preco fazer repasmo. Ok. Ele nijua ni valiwe importance ya mtu. Bo, sababu huku mbele, kuni tunancha kosa. Ile kwa ya kwanza. Kuni nakuwa mbali. Mama kutosha kuni ni 15 kilometre. Sasa ukakuwa na kamusitu yako kidogo, inafuna unagangia ile himuti yako nyoko nayo. Sasa, miti inaisha. Na njoo inafaa tufanye nguvu wote, guvernema itusaidie, tufanye revoisema. Yaani kama unaoza kufanya reboazima, tunapanda mtu pembeni pembeni ya limiti ya shamba yake, hata mtu moya moya kusudi itasaidia kwa watoto na tulisha kufa. Moi, c'est Gloria Ramazani. Je suis élève, finaliste, et je suis vice-présidente du Parlement d'enfants du Nord Kivu. En même temps, défenseur de la conservation de la nature, parce que ça revient aussi dans mes fonctions dans le Parlement. Je supervise la commission qui est conservation de la nature et gestion de l'environnement. Quand ces multinationales-là viennent avec l'esprit d'exploiter le bois, ils doivent aussi avoir l'esprit de reboiser parce qu'ils sont en train de détruire quelque chose qui est très important et qui est trop indispensable pour nos populations. Premièrement, d'abord pour la santé. Deuxièmement, je dirais que comme notre gouvernement n'a pas le souci de la population locale, parce que quand les multinationales payent les taxes, c'est qu'ils pensent aussi que la population doit en bénéficier. Mais quand le gouvernement doit prendre cet argent-là à son profit, moi je crois que la meilleure solution serait que les multinationales viennent. Ils peuvent régulariser tout ce qui est mode d'exploitation, mais qu'ils puissent directement collaborer avec la population. Moi je crois que ça sera la meilleure solution. Parce qu'à part cela, dans notre pays, avec tout ce qu'on est en train de voir, il ne peut pas y avoir de solution efficace qui puisse bénéficier, donc dont la population va bénéficier pour qu'il y ait vraiment un développement. Parce que si on a le souci de développer le pays, c'est qu'on doit d'abord passer par la population. Parce qu'il n'y a pas de développement sans population. Les multinationales doivent aussi prendre conscience de ça, s'ils veulent exploiter, mais qu'ils puissent aussi peut-être donner des conditions à nos gouvernements en disant que si le gouvernement veut qu'ils puissent exploiter nos bois, qu'ils puissent travailler parallèlement avec la population locale. Quand on parle de la forêt, dans un pays où il y a les peuples autochtones, et surtout en RDC, où nous savons tous que les peuples autochtones sont les premiers habitants de la RDC, donc même en faisant les lois, les autorités congolaises, comme les bailleurs des fonds, devraient savoir qu'on doit parler nécessairement des communautés autochtones et faire allusion à leur situation, à leur vie, à leur mode de vie qui dépend de la forêt.
à leur culture, ainsi de suite. Mais cela n'a pas été fait dans le cadre du code forestier en RDC. Et c'est ça. Et beaucoup d'autres droits, en fait, que les autochtones devraient avoir dans le cadre de la gestion de l'exploitation de la forêt congolaise, cela n'a pas été pris en compte. Et c'est ça, et c'est pour ça que nous pensons que... Et c'est pourquoi nous faisons des plaidoyers au niveau de nos autorités, au niveau de la Banque mondiale qui a accompagné la RDC, et surtout que la Banque mondiale a des politiques et directives opérationnelles qui l'exigent à respecter certaines normes dans les pays où il y a des autochtones. Et nous pensons que la Banque mondiale devrait respecter cela. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et c'est pourquoi nous sommes en train toujours de faire des contacts et faire des plaidoyers. Et certains, par moments, des dénonciations par rapport aux droits des autochtones qui sont bafoués.